Bon, Viviane, je suppose qu'il y a énormément de déceptions après ce faux pas à la maison. Ouais, il y a énormément de déceptions parce que c'était un match qu'on devait absolument gagner. On perd 1-0, on fait une première mi-temps plus que catastrophique. Et on revient 1-1, 2-1. Et à ce moment-là du match, on devrait mettre le troisième but. On se fait contrer 2-2 et on perd le match à 3-2. Après, enfin, voilà, il y a eu des faits de jeu qui font que l'arbitre n'était pas avec nous. Mais bon, après, on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. Donc, on aurait dû être plus rigoureuse dès la première mi-temps et tuer le match beaucoup plus vite. Le tournant, c'est le 3-1, ça a changé le match évidemment. Si vous l'aviez mis, c'est le tournant pour toi, ça ? Ouais, ça aurait été le tournant. On devait le mettre, le 3-1, on a eu les occasions. On a fait pas mal de poteaux, on a eu un but hors jeu, on a eu la balle de 3-1, on rate malheureusement, et derrière on se prend le 2-2 et après le 3-2. Ça vous condamne à aller faire un coup à Rodez maintenant ? Ça vous mettait un peu plus de pression forcément ? Ça nous condamne pas à faire qu'un coup à Rodez, ça nous condamne à jouer le maintien là en fin de saison, à resserrer les fesses un peu. Ça nous condamne à plein de choses là. On n'est plus sûr de rien. Il y a des enjeux derrière et des enjeux assez importants. Et là, malheureusement, on n'a pas été à la hauteur de ce qu'on attendait de nous.